Ukraine. Le béton médiatique se fissure. Google aurait selon le New York Times mis au point un robot capable de rédiger des articles de presse. Le traitement médiatique de la guerre en Ukraine suggère pourtant que les éditorialistes disposent d'une avance difficilement rattrapable en matière d'écriture automatique. En France par exemple, une triade jusqu'au boutiste formée par Le Monde, Le Figaro et Libération donne le ton et aligne parfois au mot près les mêmes mots d'ordre. Céder face à Poutine signerait une défaite stratégique catastrophique pour l'Occident. Les alliés de Kiev devront accélérer le rythme et la qualité des livraisons d'armes. Proclame Le Figaro le 10 août 2023. Oui, cette guerre risque d'être longue. Le seul moyen de l'abréger est d'intensifier l'assistance militaire à l'Ukraine. Confirme l'éditorialiste du Monde le 18 août 2023. D'autant, insiste Serge Julie dans Libération du 14 août 2023, qu'il, je cite, s'agit d'une guerre au cœur de l'Europe contre les régimes autoritaires, antidémocratiques qui privilégient la force et la tyrannie. France Inter, LCI, BFM TV et la plupart des autres médias exécutent la même partition. Déterminés à en découdre, mais à bonne distance des combats, les maréchaux de l'information mobilisent leurs experts pour appuyer leurs analyses. Ce sont les mêmes qui patrouillent d'une antenne à l'autre, Thomas Gomard, François Heisbourg, Bruno Tertret, Michel Duclos, etc. Mais Pierre Servant leur vole souvent la vedette. Éditorialiste politique du TF1 LCI, conseiller défense du Parisien, il mériterait aussi de disposer d'un lit de camp dans les studios de France Inter tant il y est invité. Son approche scientifique évoque parfois Tintin au pays des Soviets. Il a accusé à plusieurs reprises les Russes d'avoir saboté leur propre pipeline Nord Stream 2, mais en précisant J'avoue que je n'ai pas de preuve pour ça. Sur LCI, le 30 octobre 2022. Aucun risque cependant qu'on le juge complotiste, l'étiquette est réservée aux critiques du discours dominant. La farandole pluraliste serait incomplète sans Isabelle Lasserre, journaliste du Figaro, néo-conservatrice, elle aussi très appréciée de France Inter et de LCI. Sans Monsieur Raphaël Glucksmann, surtout, député européen socialiste, dont le dernier ouvrage, La grande confrontation entre la Russie et les démocraties libérales, a été salué par l'ensemble de la presse, y compris, bien sûr, par la triade Le Figaro, Le Monde, Libération. Ne cédons pas à la tentation de la capitulation haranguait-il également dans L'Express le 24 août 2023. La couverture de l'hebdomadaire, réalisée en partenariat avec LCI, ordonnait alors Tenir. Le 16 février précédent, un autre numéro spécial de l'Express, titré L'Ukraine doit vaincre, avait été conçu en partenariat avec France Info. Mais comment tenir, à plus forte raison vaincre, quand les grands journaux américains, voire le président Volodymyr Zelensky lui-même, concèdent le piétinement de la contre-offensive ukrainienne et l'impuissance des sanctions occidentales à détruire l'économie et l'armée russe un lectorat préparé depuis l'été 2022 au succès militaire foudroyant de Kiev pourrait se trouver désorienté. Pour le tranquilliser, plusieurs solutions existent. Premier tour de passe-passe, toute mauvaise nouvelle factuelle s'accompagne de la promesse d'une amélioration à venir. Le 2 août dernier, le Wall Street Journal admet sombrement que l'incapacité de l'Occident à briser l'économie russe se double d'un échec sur le champ de bataille en dépit d'une série de livraisons d'armes létales à Kiev et d'un appui économique à l'Ukraine. Le Fonds monétaire international, FMI, venait de relever ses prévisions de croissance pour la Russie à plus 1,5% en 2023, bien loin des moins 50% promis par la Maison Blanche au printemps 2022. Toutefois, grâce à une experte, l'article peut conclure sur une note rassurante. L'économie russe n'est pas soutenable à long terme. Cela rappelle l'ère soviétique et nous savons comment ça s'est terminé. 72 heures auparavant, le New York Times convoquait la même économiste. Un jour, cela pourrait s'effondrer comme un château de cartes, dit-elle le 31 juillet 2023. En attendant ce nirvanin, il suffit de réclamer un nouveau train de sanctions ainsi qu'une accélération des livraisons d'armes. Et d'associer les sceptiques à des agents de l'ennemi. Il y a un an, sur France à terre, Pierre Aski pouvait encore s'enferrer dans le déni. Les amis de Moscou tentent de lancer un débat sur l'efficacité des sanctions contre la Russie, dit-il le 6 septembre 2022. Mais depuis le mois d'août, les grands quotidiens français doivent concéder l'enlisement de la contre-offensive, l'ampleur des pertes ukrainiennes, l'effritement du soutien occidental, le rétrécissement des perspectives militaires, puisque la presse américaine les détaille désormais quotidiennement. Le récit médiatique d'une résistance enthousiaste, astucieuse, promise au succès, devient plus délicat. Quelques jours après l'invasion russe, la journaliste de France 2, Maris Burgo, insistait dans le journal télévisé sur le cas de ce père de famille qui nous propose d'entendre ses filles chanter l'hymne ukrainien le 27 février 2022. Le 19 septembre dernier, elle consacrait un sujet de près de 5 minutes aux milliers d'Ukrainiens qui veulent échapper au front en tentant de franchir illégalement la frontière de leur pays pour se rendre en Roumanie et à la difficulté pour Kiev de mobiliser des troupes fraîches. Un angle jusque-là réservé aux déserteurs russes. L'annonce par le président ukrainien d'éclatante victoire à venir suffira-t-elle à remettre les pendules à l'heure Deuxième méthode pour surmonter les déconvenus maximiser l'enjeu en martelant que cette guerre est la nôtre. La ritournelle des Ukrainiens qui se battent pour nos valeurs souffre cependant d'une équivoque. Lesquelles celle du libéralisme libertaire, cher aux verts allemands, ou celle du conservatisme autoritaire des dirigeants polonais. Journaliste au Figaro et turiféraire de la campagne de M. Éric Zemmour en 2022, Laure Mandeville a répondu à sa manière. Peu après les émeutes dans les banlieues de l'été dernier, elle assimile les jeunes Français en révolte, présentés comme des étrangers, aux envahisseurs russes. Ces deux défis existentiels s'entrelacent étroitement. Car dans les deux cas, l'Europe est confrontée à de nouveaux barbares qui ont la haine de notre civilisation et qui sont prêts à piétiner tous les principes pour prendre le dessus, dit-elle dans Le Figaro le 7 juillet 2023. Mandeville admet que ce rapprochement insolite entre deux ennemis n'ayant pas grand-chose en commun lui a été soufflé par le diplomate ukrainien Oleksandr Sherba nul doute que lorsque ce dernier rencontre des journalistes socialistes ou écologistes, il préfère mettre en avant le rêve européen et l'homophobie des dirigeants russes. troisième astuce. quand le silence sur une méprise médiatique devient trop pesant, la presse française rectifie en catimini et au conditionnel ces fake news annoncées en gros titres et à l'indicatif. le 6 septembre, les rédactions imputent l'explosion d'un missile sur le marché de kostiantynivka en ukraine, 15 morts à une frappe russe, conformément à l'explication aussitôt fournie par le président Zelensky. Mais cette fois, le New York Times du 18 septembre s'emploie à vérifier l'information. Son enquête suggère fortement que la frappe catastrophique provient d'un missile de défense aérienne ukrainienne errant. Sans enthousiasme, France Culture, qui dénonçait 12 jours plus tôt une attaque russe, concède qu'il pourrait s'agir en fait d'une erreur de l'armée ukrainienne. À mesure qu'elle tisse la toile de fond médiatique du conflit, toutes ces ficelles font apparaître un angle mort de plus en plus flagrant, l'analyse du traitement journalistique lui-même. Auparavant, quelques semaines suffisaient aux dirigeants éditoriaux pour décrypter leur propre travail. Le modèle est érodé animé d'une lucidité exclusivement rétrospective, ils déploraient les dérapages de l'information repérée lors des conflits précédents pour se déclarer par contraste très satisfait de leur couverture de celui en cours. En 1999, alors que l'OTAN bombarde la Serbie pour favoriser l'indépendance du Kosovo, la presse relaie les affirmations souvent manipulatrices du porte-parole de l'Alliance Atlantique. Simultanément, les chefferies éditoriales s'autocongratulent. Aujourd'hui, on sait prendre du recul. Par rapport aux porte-parole de l'OTAN, on relativise. On met tout en doute puisqu'on ne peut rien prouver. Explique LCI. Échaudés par la guerre du Golfe, les médias français peuvent être cités en exemple, qui font pour les deux camps la traque à la désinformation. Explique le journal du dimanche. Les journalistes font bien attention à ne pas faire de propagande pour un camp ou pour l'autre. Nous explique Charlie Hebdo. Le Kosovo est un bon exemple de la capacité des journalistes à tirer les leçons de l'expérience. Explique Telerama, etc. Six mois après la fin du conflit, le monde admettra pourtant que, pour défendre leur opération, les dirigeants occidentaux ont avancé des chiffres approximatifs de victimes, des contre-vérités et des énormités. Des énormités, le quotidien du soir en avait relayé quelques-unes. Dont un monumental bobard de guerre, le plan Podkova. Pseudo-projet serbe de nettoyage ethnique du Kosovo. Avec le conflit ukrainien qui dure pourtant depuis plus de 18 mois, la question du traitement médiatique n'est même plus posée, sauf pour enfoncer les portes ouvertes de la propagande russe. En 1999, le correspondant de France Inter auprès de l'OTAN à Bruxelles avouait avec candeur Je pense ne jamais avoir été manipulé. Ou alors je l'étais tellement bien que je ne m'en étais pas rendu compte. Cette fois, des militants affichés de la cause ukrainienne, comme Léa Salamé dans les médias publics ou Darius Rochebain sur LCI, ont pour dessein premier non pas d'informer, mais de mobiliser leur audience au service de Kiev. De son côté, le président Zelensky, dans The Economist le 16 septembre, ne cache pas qu'il cherche à convaincre les gouvernements occidentaux d'accroître l'aide à son pays en faisant pression sur eux via les médias. Cette guerre-là, au moins, il l'a déjà gagnée.